Et bonjour, bonjour, et nous nous retrouvons pour une nouvelle partie sur Gran Turismo 4 après les 24 heures du Mans. Du Mans, du Nürburgring, et le Mans, ce sera pour plus tard. D'ailleurs, il y a le Mans là, qui va commencer là-bas bientôt. Là. Donc, ça y est, c'est fait. Je suis arrivé au 694e jour. J'ai acheté les 4 voitures. Les 4 voitures que tout le monde adore sur Gran Turismo 4. La GT1 Black Car, vous l'avez vu dans la vidéo des 24 heures du Nürburgring. Voilà, alors elle fait 1100 chevaux. Elle était un peu plus puissante, mais avec les 24 heures du Nürburgring, elle a perdu quelques chevaux. Mais bon, ça c'est un détail. La Mazda 787B, modifiée à fond elle aussi, qui fait 903 chevaux. La Nissan R92 SP groupe C, 2155 chevaux. Celle-ci, elle est utile. Enfin, elles le sont toutes, hein, utiles. La Nissan R390 GT1 qui fait 1059 chevaux. Ah, je peux vous dire que ça pousse. Hein. Voilà. Et enfin, et bordel, merci, il n'y a pas eu de coupure d'électricité. La Formule 1 qui est jaune et noire. J'avais gagné une Formule 1 blanche et violette, blanche et bleue, verte et jaune, et là, noir et jaune. Enfin, jaune et noir. Voilà. Bon, et ben on va commencer. Bon, on va commencer par la GT1. Comme d'habitude, je vais juste te faire un truc. Comme j'ai fait les 24 heures du Nürburgring, elle est en pneu super slick dur, c'est-à-dire en gros, elle est pneu dur, dur, dur. Dure le plus que ça peut. Bon, la nitro, ça on s'en fout, hein. On va laisser tout le reste. Voilà, il n'y a aucun réglage à faire. Allez hop, allez hop. Et ben c'est parti, vous inquiétez pas, je vais mettre la vue J'ai pas l'habitude de les conduire. Thank you.
je parle pas parce qu'il n'y a rien à dire. Hein. Il n'y a vraiment rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elles sont... Enfin, c'est des voitures noires, quoi. Des voitures noires. Je roule vraiment très coulé là. Ouais, 1 minute 59. Une minute 59 pour la GT1. Je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai pas branché la caméra sous le câble. Du coup, elle peut s'éteindre à tout moment. J'ai la flemme aujourd'hui de mettre le câble. On verra aussi si ça grésille toujours dans les vidéos, parce que je sais pas pourquoi, je sais pas d'où vient le problème, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les vidéos ça a tendance à grésiller, je sais pas d'où ça vient, ça devrait venir de la caméra à mon avis. Donc il n'y a plus que la caméra lâche. Alors, on va faire un 787B. Là, je suis allé me promener il y a 2 minutes et je suis déjà en train de choper le rhume. Et ben, ça promet. Putain, elle a de ses phares à l'avant. C'est... attends, oui, c'est en bas. Et j'ai fait un doublon de ma carte mémoire, c'est à dire que sur une autre carte mémoire j'ai sauvegardé là où j'en suis là maintenant, pour au cas où s'il y a une coupure d'électricité que je perde pas tout, voilà, et je la sauvegarderai de temps en temps, ma carte mémoire, la deuxième. Un peu plus vite que la GT1, j'ai l'impression, elle. Hein. Ah bah non, 1 minute et 1 seconde. Ah bah surprenant. Surprenant, surprenant. Pour l'instant, j'étais one et devant. Ah bah.
Bah écoutez, aïe. Ça sauvegarde et la coupure d'électricité, youpi. Alors maintenant on va passer à la Nissan R92 qui est la plus puissante des 4. Ouais. Ah, surprenant, la GT1 allait devant. Pourtant, la 747B a une meilleure accélération. Étant donné qu'elle a une vitesse moins haute. Après, c'est une question de réglage aussi, je sais, mais bon. La 787B, elle monte à 340. Dans Gran Turismo 3, c'est bien de l'augmenter à vitesse, mais pas dans Gran Turismo 4. Faut bien la laisser à 340-350. Mais bon, c'est plus un problème, j'ai la Formule 1 maintenant. Ça va aller très vite. Bon, on va voir si j'arrive à la conduire déjà, celle-là. Il n'y a pas de raison, vous allez me dire, mais bon. C'est parti. Elle tourne bien mieux, elle. Hein. Elle tourne vraiment mieux. Ça, la fusée. 1 minute 59, comme la GT1. Il n'y en a pas une pour attraper l'autre hein, dans ces quatre voitures noires. Peut-être la R390. Ce serait surprenant. Et après, on passe à la Formule 1. Ça va être intéressant.
roule à des vitesses vraiment courtes. Là, je suis habitué au bruit de Gran Turismo 3, d'habitude elle fait un bruit de bocal, comme on dit. Vous soufflez dans une bouteille et ça fait le même bruit. Mais là, on dirait... je sais pas. Allez. C'est parti. Un peu de nitro pour rattraper le temps perdu, pour que ce soit équitable, parce que sinon voilà. Je vais me rattraper là. Elle tourne moins bien celle-là. Mais accélération, tout ça, c'est sensiblement pareil. Oh là, ouais, non, elle est loin derrière. Hein. 1 minute 3, ouais, bon. Si vous démerdez bien, ça fera comme les autres, ça fera 1 minute 59 et tout ça. Ils ont quand même une différence. Alors, la GT One, il n'y a rien à dire, à part qu'elle manque peut-être de stabilité, je dirais. La Nissan R92, c'est la plus stable de toutes. Et la 787B, franchement, c'est celle qui accélère le mieux. Et celle-là, je dirais que ça réunit un peu les quatre, mais en moins bien quoi. Franchement, pour moi la meilleure toute, personnellement, je dis pas en termes de performance, la celle que je préfère le mieux entre toutes là, c'est la GT One. Ceux qui ont eu Gran Turismo 3, ils savent qu'il y a la version race car qui est entièrement rouge. Il y a la version race car qui est rouge avec les vinyles de sponsoring. Et là, il y en a une noire. Bon, dans Gran Turismo 4, il n'y a pas la race car, ce qui est très con d'ailleurs. Parce qu'il y a la R390 race car. Allez chercher l'erreur. Si ça se trouve, elle y est, mais j'ai jamais su. Alors, Formule 1. Allez. Le seul truc qui est con avec les Formule 1, c'est qu'on peut pas changer l'huile pour augmenter la puissance. C'est très con, mais bon, c'est comme ça. C'est toujours des voitures Le Mans, hein, c'est normal. Ah, c'est pas le même bruit là. Y a pas d'anti-patinage ni rien. Faut que chaque gaffe.
j'arrive pas quand il n'y a pas l'anti-patinage. Je vais essayer autrement. Allez. Peut-être que là, il ralentit le patinage. Je sais que certains diront que ça sert à rien, l'anti-patinage et tout, mais... il y a des moments... on veut bien être gentil, mais... Ok. Moi j'aime bien bouffer l'herbe. J'ai freiné pile poil au moment où il fallait. Hein. Je suis dégoûté. J'ai perdu la main avec la Formule 1. Ça se voit carrément. Bon, c'est pas très grave, mais bon. En gros, avec la Formule 1, vous pouvez faire des tours à presque une minute. Une minute, qu'est-ce que je dis ? 40 secondes. J'aime pas être dans cette vie. Elle a un seul problème, la Formule 1, c'est que quand vous freinez, contrairement à Gran Turismo 3, les roues se bloquent alors que dans votre Formule 3 elles se bloquent pas. Je comprends pas, c'est une Formule 1, les roues doivent pas se bloquer. Avec l'appui, ça devrait adhérer, mais non. Non, on s'en fout. On bloque carrément les roues à l'arrière, comme ça t'as en tête à queue, et puis basta. Bah, bien sûr. Non, j'ai perdu l'habitude avec la Formule 1. Enfin bref, c'est pas très, très grave. Bon. Bah, sur ce. On va se laisser. Enfin. Jusqu'à la prochaine, quoi. Voilà. Donc, les 4 voitures noires. La Formule 1. Eh ben, écoutez. Je vous dis à une prochaine. Allez. À plus.